qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette musique de sauvage? Les gens ne tiendront pas 5 minutes. Ils vont se lever, s'enfuir, t'es devenu fou? Mais papa... Mais je vous assure, monsieur Mozart, certes, il y a quelques passages surprenants, mais... Surprenants? Oui, oui. Mais vous appelez ça surprenant? Je reconnais bien là votre charité chrétienne, l'abbé, ça miaule, ça grince, ça crie, ça frotte. Les rapports de tonalité sont aberrants, incompréhensibles. Et c'est pour ça que j'ai sacrifié ma vie, pour que mon fils se laisse monter la tête par des pères martyrs et par des corillas, par un galopin, comme ce Thomas Lindley. Sans moi, tu n'es rien. Wolfgang, rien. M'entends-tu? Ce que tu as écrit est injouable. Injouable. Mais nous venons de le jouer, c'est donc que c'est possible. On t'a appris à répondre. Je vois. Tu vas aller m'écrire un autre adagio immédiatement. Un autre? Pour demain? Au besoin, tu y passeras la nuit. Je fais bien l'effort de jouer à ton concert, moi. Malgré ma jambe. Monte dans ta chambre. Monte dans ta chambre! Bien. Mais je verrai quand même Thomas. Souvient-il du sonnet que la Corillia a écrit pour nous? Depuis que le destin t'a séparé de moi, je ne sais que te suivre par la pensée. Joie et rire se changent en peine, mais mon désespoir t'espère encore. Je vous aime, Thomas.